Quand la mer est constituée de 48 communes, toutes différentes au niveau en taille et en diversité, c'est des communes littorales, urbaines et rurales, comptant de 500 à 100 000 habitants. Il est donc essentiel de garder une écoute, une équité et une cohésion sur l'ensemble du territoire. Pour être solidaire, il est indispensable de se connaître, être capable de travailler ensemble. C'est ce qui nous a rapprochés autour d'un projet de territoire afin de se projeter ensemble via une approche globale. C'est une démarche dans laquelle tous ceux qui veulent s'exprimer et contribuer le peuvent. Durant la première phase de diagnostic, 3 enquêtes ont été diffusées. Une envers les habitants, une pour les élus, qui représentent 1888 élus sur le territoire, et une envers les entreprises. D'ailleurs, afin d'informer et de fédérer les communes, des présentations sur le projet ont été réalisées auprès des conseils municipaux. De plus, tous les élus ont été invités à des ateliers territoriaux afin d'échanger et de s'exprimer librement. Les communes demeurent le lien le plus fort entre la collectivité et les habitants. Chaque commune a contribué à diffuser l'information auprès de tous, ce qui a permis d'obtenir un peu plus de 7000 réponses, ce qui, comparé à d'autres territoires, est plutôt un bon résultat et une bonne participation. D'ailleurs, la démarche n'est pas terminée, elle se poursuit jusqu'à la fin de l'année avec l'élaboration de la stratégie et des plans d'action. De plus, une réunion publique invitant élus et habitants sera également proposée fin septembre, début octobre. Cohésion, équité, travail en commun à la réalisation et à la réussite du projet du territoire, c'est aussi cela la solidarité territoriale. Merci.